une recette qui fleure bon la Normandie, puisque c'est une recette 100% beurre. Camille, qu'est-ce qu'on fait? On fait du beurre noisette. Donc, sans noisette, mais avec du beurre. C'est ça. C'est-à-dire, quel est le principe du beurre noisette? On fait chauffer le beurre et on va donner une couleur noisette au beurre en faisant brûler ou chauffer beaucoup le petit lait dans le beurre. Alors, comment on utilise le beurre noisette? On peut l'utiliser dans les financiers, c'est souvent ce que font les boulangers, les pâtissiers, dans les crêpes. Allez, c'est bon, chef. On éteint. Tac. Donc là, on voit en effet la belle coloration que ça a pris. Ça chante et ça chante. Donc l'idée, une fois qu'on a fait ça, c'est de badigeonner des crêpes, là, comme au restaurant quand on prend des crêpes beurre-sucre. C'est ça. Comme la fameuse réplique, vous avez du beurre, vous avez du sucre, vous avez des crêpes, mais enfin des crêpes au sucre. Donc là, on badigeonne légèrement quand même, n'exagérons pas. Je mets un peu de sucre dessus. C'est ça, chef? Ah, qu'est-ce que ça sent bon? T'as du sucre, hein? C'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Alors, pour les gourmands, vous pouvez tremper la crêpe dedans, mais là, je vous raconte pas. Hein. C'est 5 minutes à faire, 20 ans sur les hanches. Bon, en tout cas, vous pouvez faire maintenant du beurre noisette. C'est super facile, c'est super bon. À vous de tester.